Derrière la saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain, ou qui sont point levées, plus loin que les frontières, qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Et deux, et trois, et c'est parti! Van der Rutte. Nous sommes au creux d'une manifestation aujourd'hui pour la réforme des retraites. Enfin, contre la réforme, c'est l'idée. Hein. Et nous espérons que vous allez vous régaler. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Le microphone. Alors nous avons quand même avec nous toute une série de groupes, des groupuscules, plus ou moins obscurs. Hein. Alors il y a, comme on disait là maintenant, un groupuscule très obscur, ce sont les casseurs. Des moments, on les a pas encore vus intervenir. Nous avons aussi pas mal de RG, renseignements généraux, des policiers déguisés qui sont dans cette manifestation. Nous avons aussi des jeunes là, il y a des jeunes. Ah, ils sont sympas. Hein, ils sont sympas comme tout. Derrière nous, nous avons la CGT avec le drapeau de Che Guevara, hein, toujours flottant dans l'air. Comme les idées et comme la liberté qui flotte toujours dans l'air. Et puis surtout, nous avons un beau mouvement, hein. Nous allons voir combien de personnes à la fin de la journée, environ 3000, 4000, peut-être 5000, hein, comme la dernière fois. Et nous 200 verrons tout... pour la police. Et 200 pour la police, bien sûr. Ce sont les chiffres contradictoires de notre gouvernement qui nous font quand même penser, enfin de votre gouvernement, qui nous font quand même penser que les choses ne vont pas si bien que ça. Hein. Enfin, on verra bien, on va continuer gentiment, merci. Alors, Robert Van der Rutte, toujours à la manifestation, on est avec les jeunes, là. Nous avons avec nous la petite sœur, quand même, du jeune séminariste. Hein, nous avons avec nous un jeune homme, c'est quoi ton prénom? Ricardo. Ricardo, et nous avons une autre jeune fille, la Louise, qui est avec nous. Alors, je voulais savoir si vous faites partie, plutôt, des casseurs ou des RG? C'est la question. Vous êtes casseuse, madame? Oui, qu'est-ce que vous cassez? Les couilles, d'accord. Et vous, mademoiselle, vous êtes casseuse? Exactement pareil. Les couilles. Et vous? Les œufs pour faire des omelettes, c'est ça? Ils cassent des œufs pour faire des omelettes. Ouais, donc on n'a pas encore trouvé les casseurs et les RG. Là, vous savez où sont les RG? Ah, vous pouvez filer les RG. La police n'est pas si dissimulée que ça. Hein. Voilà, donc on est avec les jeunes. Vive la jeunesse et vive la révolution! Par-delà le concert, des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme, des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que les grands qui nous les ont fait alors, faire. Alors, Robert Van der Rutte, encore une fois dans la manifestation, nous sommes avec des gens là. Un typique manifestant. Alors, on est avec Lucille, là, avec nous. Hein. Lucille, j'aimerais te poser une question. Regarde bien la caméra quand tu réponds. Est-ce que tu fais partie de ce qu'on appelle les casseurs? Ben, je sais pas, ça dépend ce qu'on entend par casseur. C'est-à-dire des casseurs qui cassent? Non, non. Non, tu ne casses pas?
Je casse, mais disons plutôt de façon incognito, quoi. Mais tu casses la journée, la nuit. La nuit. Ton mode de cassage, ouais. C'est plutôt la nuit. Ouais. On peut agir vraiment dans l'intensité, tu vois. Alors, la nuit, t'es tranquille, y a personne. Tu peux venir avec ta patte de baseball et péter tous les pare-brises. Alors, elle est un petit peu nerveuse parce que je suppose qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a fait ça. Alors voilà. Et votre présence dans la manifestation, c'est pour casser les voitures aussi. Ouais, mais pour observer aussi, surtout pour observer en fait. D'accord, pour voir un petit peu, pour préparer les gens. Va dire ça qu'il y a les RG et les flics partout. Ah oui, bien sûr, madame. Madame, une question, petite question. Vous êtes partie des casseuses ou des RG? Petite question. Moi, je suis pour la paix. Vous êtes pour la paix, bon, ben, c'est parfait. Voilà, Robert Van der Rutte au milieu de la manifestation. Ça continue, c'est chaud. Voilà, merci. Alors oui, nous sommes toujours dans la manifestation, on a quand même repéré un vieux là, enfin une personne âgée, qui semble casseur aussi. Alors filmez-le là-haut. On attend qu'il jette les grenades, hein. C'est chaud. Hein. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Je suis casseur depuis l'âge de 10 ans, en fait. Et j'ai eu des problèmes quand j'étais enfant. Quand j'allais acheter du pain avec maman, elle ne voulait pas m'acheter des malabars. Alors oui, la violence, c'est un petit peu ma libération. Enfin, du moins, c'est ce que le psychologue m'a dit. Hein? C'est la violence, c'est votre libération. Et je casse parce que je profite du moment collectif pour exprimer ma haine individuelle. Je ne fais pas partie d'un collectif. J'aimerais en faire partie. Hein, justement, je veux monter un syndicat des casseurs. Ça, c'est un petit peu l'idée. Et bon, j'ai quelques collègues de clan Kalachnikov 83. On est en discussion pour essayer de monter tout ça dans le plat pays qui est le nôtre, c'est-à-dire le bar. Voilà, donc je passe d'ailleurs un bonjour à toute la production Montagne Rouge, hein, qui cherche aussi des jeunes casseurs. Nous essayons de montrer un groupuscule, un petit peu de casseurs et un petit peu d'extrême gauche. Ça, c'est l'idée. Ben, écoutez, en principe, il ne faut pas trop filmer ce genre de choses. Hein, mais bon, enfin, voilà, on verra. J'ai l'arme du délit. Alors, ça, c'est sympa parce que ça peut percer des pneus, ça peut casser des vitres. Hein, et surtout, ben, ça peut mettre le feu. Alors, j'ai tout ce qu'il faut là pour mettre le feu. Voilà. Alors, vous frottez un petit peu le plastique, ça chauffe, et après vous allumez, ça part. J'espère de toute façon que ça chauffera un peu. Les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Je passe un bonjour aussi à Rémi, hein, qui est un collègue. Regarde, c'est pas beau, hein? Hein?